Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malexsgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Je vous souhaite tout simplement de passer une bonne vidéo, de laisser le petit like, le petit commentaire. De toute façon, je vais vous obliger à commenter parce qu'en fait, il y a un giveaway. Voilà, c'est la petite surprise de cette vidéo. Vous avez le choix entre 3 skins, une AK-47 Asimov, une AK-47 Impératrice et une Aquamarine. À peu de choses près, elles valent la même chose. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, commenter, Impératrice, etc., celle que vous souhaitez remporter. Et je choisirai un gagnant parmi vous. Pour les anciens giveaways, sachez que j'ai préparé les colis, je vous les montre. Donc voilà, mes frérots, promis, ça part très bientôt. J'attendais les cartons, c'est fait. Maintenant, je vous envoie les souris, je vous aime. Si vous cherchez des coéquipiers, que vous en avez un peu marre de jouer solo, que vous voulez un peu soit faire des ranked ou même chercher des teams, etc., sachez que vous avez mon Discord à disposition et ça joue un peu tous les jours, que ce soit en mode tryhard ou en mode fun. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches là-dessus. C'est à ça que ça sert. Les champions de France, c'est LDLC. Très belle performance qu'ils ont réalisée. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Ils n'ont pas réalisé une belle performance. Je vais remettre un petit peu la tête sur les épaules à tout le monde, j'ai envie de dire. Ils n'avaient qu'un seul concurrent direct, soyons clairs, et ils ne les ont pas affrontés. Donc, pour le coup, je suis un peu... Je suis un peu sur ma faim, j'ai envie de dire, mais c'est quand même un beau champion LDLC, même s'il domine tout simplement la scène nationale française parce que c'est la seule équipe professionnalisée. Alors autant j'ai beaucoup de frérots dedans, que ce soit Chaos, Maka, Haji, Lambert, Sixer, franchement c'est des gens que j'adore, même le staff, Ostriker, Krav et tout, je les connais depuis des années et je leur souhaite que du bien. Autant ils battent des équipes qui sont amateurs, voire semi-professionnelles, qui sont signées dans des structures, mais sans contrat, Imaginez un petit peu la situation. Sans salaire, c'est pas des joueurs qui jouent en full-time, etc. Alors que chez LDLC, c'est payé plusieurs milliers d'euros par mois. Donc pour le coup, c'est normal qu'ils soient, j'ai envie de dire, champions de France. Les seuls concurrents, c'était LDLC et Double Poney, mais ils ne les ont pas affrontés. D'ailleurs, ils se sont affrontés dans une qualif quelques jours après, et LDLC a perdu contre Double Poney, justement dans cette qualif. C'est pas dit qu'ils peuvent pas gagner en confrontation directe. Hein. Attention, c'est vraiment du très beau jeu que produisent ces deux équipes. Mais pour le coup, voilà, félicitations quand même à LDLC qui est champion de France, et qui pour moi n'est pas un exploit, mais un petit peu comme le PSG qui doit gagner le championnat de France toutes les années, même si cette année, bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Félicitations à LDLC qui est champion de France. Félicitations à The Dice qui est vice-champion de France, qui eux ont su se débarrasser de Double Poney et c'était pas une mince affaire.